Ce combat spirituel auquel nous faisons face n'est pas charnel. Ce n'est pas physique. Alors, par exemple, quand quelqu'un vous insulte, vous voulez le combattre. Comprenez que même les armes à utiliser ne sont pas charnelles ou physiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans nos familles. Quand nous voyons la manifestation physique, nous pensons que le combat est physique. Vous comprenez, lorsque vous voyez votre partenaire, votre femme, votre frère, votre enfant ou votre voisin manifester négativement contre vous, vous manifestez aussi de même. Le combat auquel nous sommes affrontés n'est pas physique. Ce n'est pas charnel. C'est pourquoi vous perdez tout le temps. Pour détruire le travail du monde des ténèbres, le combat spirituel auquel nous sommes exposés, pour détruire les puissances des ténèbres, nous devons utiliser les armes spirituelles. Et ces armes spirituelles sont utilisées pour démolir. La forteresse. Démolir toutes sortes de forteresses. Connaissez-vous la forteresse de l'Afrique du Sud Pigoterie. Qui savent ce que cela veut dire C'est-à-dire, vous êtes cloué à ce que vous vous croyez. C'est ça, la forteresse de l'Afrique du Sud. C'est pourquoi les gens se vantent disant Je suis une telle personne. Je suis ceci. Où je suis cela, pigoterie. C'est ça, l'ennemi, la forteresse de cette nation. Et cela est dans la conscience des gens. Vous ne pouvez pas voir ça à l'œil nu. Vous verrez comment cela opère après qu'on ait délivré beaucoup de gens aujourd'hui. Peut-être vous serez celui qui doit être délivré de cela au nom de Jésus, si Dieu le permet. Les armes sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles, non. Et notre champ de bataille, notre champ de bataille, où est-il C'est dans le domaine de la conscience. Comment l'ennemi fait cela Il vous rend esclave dans votre conscience. Comprenez que c'était une déclaration publique que Jésus avait faite à la croix. Il l'avait désarmée. Satan et toutes ses autorités et ses esprits n'ont plus d'armes. Alors, comment s'engage-t-il dans le combat À travers votre conscience. Comment Numéro 1. Vos imaginations. D'où vient l'imagination? Alors? Par exemple, vous dites en vous-même. Cette sœur ne m'avait pas salué. Elle n'est même pas. Qu'est-ce que cela? C'est là où beaucoup d'entre vous se retrouvaient. Vous ne mangez pas certaines choses, pensant que si vous mangez cela, vous rabaissez votre personnalité. C'est ça votre combat spirituel? Alors? Donc je ne peux pas manger ceci. Pourquoi pas? Moi je mange. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas? Vous n'avez pas un problème d'allergie? Vous comprenez D'où est-ce que Satan s'engage dans le combat À travers Savez-vous qu'il y a des gens ici qui se considèrent plus supérieurs que les autres Est-ce que cela est vrai C'est quoi ça Est-ce que vous comprenez maintenant C'est pourquoi avec ce genre d'imagination, nous utilisons l'autorité spirituelle pour démolir cela de votre conscience. Ainsi, la personne fera face à la réalité. Vous voyez la personne se demander, pourquoi n'ai-je pas connu ceci avant C'est parce que c'était un fief. Qu'est-ce qu'un fief Commençons peut-être par là. Je pense que vous devez d'abord comprendre ce que c'est un fief, et puis je reviendrai. Un fief, c'est une forteresse. Connaissez-vous un château D'accord, regardez. Voici un château. Et tout autour, il y a la forteresse. Pour faire quoi Protéger le château. Alors, voici ce qui se passe. Tout ceci est votre conscience. Et autour de votre conscience, il y a la forteresse. Cela veut dire, quand il y a une attaque contre votre conscience, la forteresse s'élève. Pour faire quoi Pour protéger votre conscience. C'est pourquoi vous ne changez pas. Ainsi, les armes spirituelles que Dieu donne, c'est pour détruire le fief. Pendant que vous êtes encore à l'intérieur protégé, la puissance des dieux vient détruire ce château afin que vous puissiez en sortir et recevoir de l'aide. Aussi longtemps que vous êtes encore là, il n'y aura pas d'aide. Aussitôt qu'on veut vous attaquer, vous êtes protégé. Alors que ce qui est protégé est faux, c'est ça le problème. Alors que ce que vous protégez appartient à Satan, les imaginations que vous avez viennent de Satan, voilà un fief que vous avez. Votre conscience et tout ce que vous pouvez vous imaginer n'est pas des dieux. Et là, voici déjà un problème. Votre raisonnement est aussi un champ de bataille. Raisonnement. Vos spéculations. Votre raisonnement. Vos spéculations. Vous comprenez. Vos arguments. Dites à votre voisin, vos arguments sont votre forteresse. Il y a des gens ici à qui on ne peut rien dire. Aussitôt que vous commencez, ce sont des arguments. C'est une forteresse. Argument, c'est votre forteresse. Votre raisonnement. Voilà, nous raisonnons dans cette manière. Le vôtre va complètement dans un autre sens. C'est une forteresse. Et ça ne va vous profiter à rien. Aussi longtemps que vous raisonnez de cette manière, jusqu'à ce que votre raisonnement sera détruit par les armes spirituelles. Beaucoup d'entre vous, c'est le raisonnement, pas autre chose. Mais selon vous, vous pensez que votre raisonnement est correct. Dites à votre voisin, c'est ça votre erreur? Qui parmi nous ici peut dire que mon raisonnement n'est pas correct Chacun pense que son raisonnement est correct. C'est une forteresse. Votre connaissance, c'est déjà une forteresse, dites à votre voisin. Parce que ce n'est pas une bonne connaissance, c'est une forteresse. Et sachez que juste cette connaissance, c'est un champ de bataille. Pour vous séparer de votre connaissance, pour une bonne connaissance, c'est une grâce. Vos pensées sont une forteresse. Par exemple, vous dites, je vais vaincre Satan. Il dit aussi, je vous attends calmement en vous. Dans tous ces domaines, qui sont champs de bataille. Lui avez-vous vaincu? Avez-vous démoli cela? Pouvez-vous connaître que cette pensée n'est pas des dieux? Ça, c'est de Satan. Ça doit partir. Cette imagination que j'ai est fausse. Ce raisonnement que j'ai n'est pas correct. Par exemple, vous êtes sous mesure disciplinaire, et dans votre raisonnement, vous posez des questions. Pourquoi moi? Cela n'est pas un bon raisonnement. Pourquoi n'ai pas réalisé que tout ce temps je n'étais pas discipliné, c'est-à-dire quelque chose n'est pas correct avec moi. Je pense que j'ai commis une erreur. Mais au lieu de penser comme cela, qu'est-ce que vous faites Non, c'est la jalousie. Quelqu'un est allé m'accuser, c'est pas vrai. C'est ça la forteresse de votre raisonnement, dites à votre voisin. Et aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas cela, votre vie ne va pas changer. Parce que toutes vos pensées sont dans ce château qui est protégé par la forteresse. Voici un bon exemple. Toutes les mauvaises pensées sont dans ce château et elles sont protégées. Il y a une barrière, une forteresse. Aussitôt que je veux vous aider, afin que ce qui est mauvais en vous puisse sortir, cette forteresse s'élève pour que je ne vous atteigne pas. C'est-à-dire, vous protégez ce qui est mauvais. Et c'est ça un problème. Est-ce que vous comprenez? Les gens parlent toujours de moi. Non, c'est pas vrai. Ils ne parlent pas de vous. Combien de gens ici maintenant peuvent dire que j'ai compris là où j'ai commetté l'erreur? J'étais en train d'aider Satan. Voilà. Quand vous êtes ouvert, cela ne veut pas nécessairement dire que Satan va vous attaquer. Non, Dieu est là pour vous protéger parce que vous êtes innocent. Vous êtes innocent. Mais observez quand vous êtes coupable, d'où viennent toutes ces défenses Juste pour protéger ce qui est mauvais, vrai ou faux. Pourquoi ne vous posez-vous pas cette question Comment étiez-vous sorti d'une mauvaise situation comme si c'est vous qui aviez raison Alors que vous savez, vous n'êtes pas innocent. Comment N'est-ce pas vrai Que pensez-vous que cela peut être Comment vous appelez cela La forteresse Parce que quand vous essayez de gagner contre le roi, le roi ici, ce sont vos pensées, vos imaginations. Votre raisonnement, c'est ce que j'appelle votre roi. Il rentre vite dans son château, et quand il entre ce château, la forteresse est érigée. Alors, quand vous approchez, les soldats vous diront Vous ne pouvez pas toucher notre roi. Laissez-le tranquille, laissez-le tranquille. Parce que cette forteresse, c'est déjà l'ennemi des dieux, et ils sont en train de protéger ceux qui vous tuent. Et c'est comme cela que vous voyez les gens aller d'une église à une autre. Au lieu d'accepter la correction, ils préfèrent aller à une autre église. Vont-ils être aidés Comprenez que le problème est dans votre conscience et vous amenez cela partout où vous allez. Même si vous chantez ⁇ hosanna ⁇ hosanna ⁇ mais après avoir chanté, vous avez toujours la forteresse. La majorité des gens qui chantent ont une forteresse. Dans cette maison, je vais grandir. Laquelle Vous devez d'abord être délivré pour que vous puissiez comprendre le message. Savez-vous pourquoi les gens ne comprennent pas Vous pouvez seulement comprendre le message quand votre forteresse est détrônée. Laissez-moi vous poser cette question. N'êtes-vous pas l'un des gens, après avoir écouté le message, vous dirigez cela vers les autres, pas à vous-même comment? vous refusez, disant, ça c'est pour celui-là, ça c'est pour celui-là, et ça c'est pour l'autre là, la forteresse. après avoir écouté le message, vous paraphrasez cela pour que cela vous convienne, pas prendre cela comme ça a été donné. le diable bâtit le fief et la forteresse dans votre conscience. si vous comprenez cela aujourd'hui, vous serez très libre comme un enfant de Dieu. Vous n'allez pas avoir peur de qui que ce soit, mais vous respectez tout le monde. Vous n'allez plus défendre vos erreurs, mais plutôt vous allez dire, je ne savais pas ceci. Certaines personnes, aussitôt que vous voulez les corriger, vous faites face à la manifestation. Hum, ce n'est pas que les gens vous haïssent, ça c'est la forteresse que vous êtes en train de protéger. Tous les représentants des dieux, peuvent utiliser les armes spirituelles pour démolir la forteresse dans la vie des autres. Quel est l'objectif de cette forteresse L'objectif de cette forteresse, c'est pour résister à la vérité de l'évangile. Dites à votre voisin, voyez-vous comment c'est dangereux Posez-lui cette question. Quel est l'objectif de ce fief Quel est l'objectif de cette forteresse C'est pour tout simplement résister à l'évangile qui est la parole de Dieu. C'est ça l'objectif. Aussi longtemps que vous ne recevez pas la vérité, rien ne changera dans votre vie. Vous allez déclarer que vous êtes chrétien pendant que le diable dit que tout va bien, ma fille. Tout va bien, mon jeune homme. Voici 60 ans que vous êtes chrétien. Même le diable le sait que vous ne l'êtes pas. Parce que vous résistiez quoi La vérité qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la préjudice Merci, asseyez-vous. C'est être en dessous de ce dont vous n'êtes pas au-dessus. Dites à votre voisin. C'est être en dessous de ce dont vous n'êtes pas au-dessus. La préjudice, être en dessous de ce dont vous n'êtes pas au-dessus. En d'autres termes, si vous ne savez rien de cela, alors c'est sûr que ce n'est pas correct. Alors Vous comprenez Si vous ne savez... Alors vous êtes sûr que, parce que vous pensez que si c'était correct, vous devriez le savoir. C'est ça la préjudice. N'êtes-vous pas l'un de ce genre de personnes Alors, comme l'idée ou l'initiative n'était pas venue de vous, ça doit être faux. C'est quelqu'un qui s'est déjà décidé. Et il vous dira, non, je me suis déjà décidé. Quand quelqu'un s'est déjà décidé, ce n'est pas le nombre de faits, même pas les preuves qu'on peut amener, même pas non plus la vérité qu'on peut amener, même pas les raisonnements possibles peuvent le changer. Il ne va pas accepter votre raisonnement. Les faits, les preuves, rien ne peut le changer. Seul... Dites à votre voisin, seuls les armes spirituelles peuvent détruire la forteresse. Si vous vous engagez dans des arguments, vous ne cesserez de prendre des comprimés parce que vous aurez des maux de tête. Vous ne pouvez pas gagner, vous serez fâché tout le temps. Pourquoi ne comprenez-vous pas C'est comme cela que certaines mamans cognent la tête de leurs enfants contre le mur. C'est une forteresse. Ce n'est pas physique. Comment C'est une forteresse. C'est pourquoi certains hommes et femmes ne se comprennent pas dans leur maison. Ils vont prendre de l'alcool. Je n'arrive pas à comprendre ma femme, alors je vais boire. Certains prennent la drogue. Ce sont seulement les armes spirituelles qui peuvent détruire la forteresse. La forteresse, c'est quelque chose qui aveugle la conscience de l'homme pour que la lumière de l'évangile ne puisse pénétrer leur conscience. Tout simplement pour que la lumière de l'évangile ne puisse pénétrer leur conscience. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est à la forteresse, c'est inutile de faire des arguments. La meilleure chose qu'il faut faire, c'est utiliser les armes spirituelles pour détruire le fief qui est dans la conscience de cet homme. Vous n'avez pas besoin de crier. Tenez-vous seulement. Et commencez à démanteler, démolir la forteresse qui est dans la conscience de cet homme, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous vous tenez comme ceci et vous réalisez que voilà, c'est une forteresse. Alors vous attaquez cette forteresse, dirigeant les missiles vers cette forteresse. C'est pourquoi certaines personnes disent que je vous ai hey, prophète. C'est parce que la forteresse est en train de partir. Vous devez savoir ceci avant d'attaquer la forteresse. Jésus-Christ a déjà vaincu Satan et tous ses mauvais esprits et autorités complètement et pour toujours. Vous n'avez pas besoin d'affronter une forteresse, mais plutôt la détruire. Beaucoup d'entre nous devrions être mieux dans la vie que ce que nous sommes maintenant mais à cause de forteresse. Bien que vous êtes chrétien, mais cette forteresse est en vous. Oui Merci monsieur. La forteresse peut-elle faire qu'une personne soit toujours isolée Exactement. Parce que c'est ce que vous pensez. C'est ça votre imagination. Voilà, personne ne me comprend. Et dans votre conscience, vous êtes une reine. Voilà, ne vous approchez pas de moi. Et vous vous isolez. Même maintenant, vous avez cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi, forteresse, qui amène la fausse imagination, qui lui fait penser qu'elle est plus que les autres, tu lui fais penser qu'elle est plus que les autres, sors d'elle. Elle veut s'associer avec les enfants de Dieu. Elle va s'associer avec les enfants de Dieu. Elle va rester parmi les enfants de Dieu. Je vous avais dit, pouvez-vous voir ce que c'est la forteresse La lutte que vous voyez, c'est ça la forteresse. Pouvez-vous voir, elle ne veut pas partir. Voyez-vous cela Alors dites-moi, dois-je avoir la lutte avec tout le monde Non, je n'ai pas de temps. Comment Je n'ai pas ce temps. Je me relaxe avec le Saint-Esprit des dieux. Et voilà, c'est comme cela. Si je dois lutter avec celui-ci, avec celui-là, non, je ne peux pas. On ne discute pas avec la forteresse. Que dois-je faire Démolir cela. Tout simplement parce que vous ne pouviez pas voir. Même celui qui parlait n'était plus elle. C'était une forteresse. Alors si j'avais dit non, la forteresse allait être très contente. Si je m'étais mis d'accord avec elle pour dire que non, tu peux t'isoler. La forteresse allait être contente qu'elle a gagné. Je paye souvent la dîme. Mais c'est comme si je ne faisais rien à cause de la pauvreté et des problèmes financiers que j'ai. Des problèmes financiers Alors comment pensez-vous que cela va changer si vous n'appliquez pas les principes qui vont vous libérer de cela Ça ne va pas s'arrêter. Voyez-vous Pouvez-vous continuer à vivre la vie de la prostitution parce que vous dites que vous n'avez pas d'argent Non. Voyez-vous Vous devez vous décider, n'est-ce pas oui. Cette histoire ne m'amène nulle part, c'est mieux que je me marie, n'est-ce pas? Est-ce que, savez-vous pourquoi il y a la pauvreté dans votre famille? C'est dans toute la famille. Oui, oui monsieur. Comment? Oui, c'est une malédiction. Comment était mort votre père? J'étais encore jeune, on m'avait dit que c'était une congestion cérébrale. Et votre mère? Ma mère est encore en vie. Qu'est-ce qu'elle vous avait dit Elle m'avait dit que c'était une congestion cérébrale. Que faisait votre père Il était un préfet. D'une école Oui. D'accord. Savez-vous qui avait tué votre père Non. C'est votre tante. Merci monsieur. Parce que maintenant vous le savez, elle est au village. C'était juste la jalousie. Merci. Ce que vous ne pouviez pas comprendre avant, vous allez le comprendre maintenant. Aviez-vous déjà eu une conversation avec elle? Auparavant, nous étions en contact et elle venait deux fois nous rendre visite. Mais je l'évitais. Je ne savais pas pourquoi. Voilà, ne fais rien, d'accord? C'était la sorcellerie. Elle avait aussi hérité cela. Merci. Quel est son nom? Francine. Je veux le nom africain. Je ne connais pas. Comment? Je ne connais pas son nom africain. Renoncez-le. Refusez-le maintenant. Je renonce à l'esprit de Francine. Ah, Voyez-vous? Hey, Pouvez-vous maintenant croire que Dieu est dans ces lieux Comment Vous qui doutez, vous qui doutez, qu'est-ce qui vous fait croire Parce que ce qui était invisible s'est manifesté dans le visible, c'est-à-dire le doute qu'il y avait est parti, n'est-ce pas What? Parlez, si vous comprenez cette langue.